Ok, donc on se retrouve à la DreamHack Tour 2017. Je suis avec NBK et Shox qui viennent de gagner la LAN. Félicitations à vous. Un petit mot du coup sur cette belle victoire. Un petit mot. Là sur le coup, tu me prends un petit peu de cours. Déjà, le premier truc qui me vient en tête, c'est merci aux gens qui étaient dans la salle parce que franchement, l'ambiance était dingue et satisfait d'avoir remporté ce tournoi avec l'équipe. C'est notre premier. Et vraiment content dans le sens où en ce moment on traverse pas forcément une super période depuis 2-3 semaines, on a des complications. La semaine dernière à Austin c'était très compliqué et on a très mal commencé le tournoi et arriver jusqu'en finale et ramener le titre après avoir remonté tout le lower bracket, bref tout ça, vraiment content, ouais, c'était un petit mot. Yes, c'est cool. Parlons-en hein, de votre LAN justement. Vous perdez contre Tricked au début, ce qui vous envoie direct en loser contre du coup nos amis d'Envious. Est-ce que ce match-là contre Envious justement, c'était pas plus difficile que les autres dans le sens où c'est vos anciens coéquipiers et que du coup Happy peut-être vous contre-strat. Est-ce que vous avez ressenti ça du coup? Tu veux y aller ou j'y vais? Non, c'était pas plus difficile qu'un autre match. Je pense qu'inconsciemment, même si on se l'est pas dit, on se sentait vraiment confiant vis-à-vis d'eux. La dernière fois qu'on les avait joués, c'était en ESL. Non, c'est pas en ESL Pro League. Bref, je sais plus en quoi c'était, mais on avait gagné 2-0 et on s'était senti vraiment bien. Donc je pense qu'on était relativement confiant. Après, il y a toujours cette part d'ego et de fierté quand tu joues contre des Français. Donc ça nous a un peu boost. On a bien commencé les games. On a fait deux gros bons premiers side, après on avait juste à conclure. Donc non, c'est bien passé. Après, côté strat, non. Pour la simple et bonne raison qu'on connaît plus ou moins le lead de Vincent et on sait que c'est quelqu'un qui, enfin, surtout au début d'une équipe comme ça, qui est vraiment focus sur son jeu de manière à ce que ça soit bien exécuté, etc. Et, tout, et pas vis-à-vis de l'adversaire. Donc du coup, on n'avait rien besoin de changer ou quoi que ce soit. Peut-être nous s'adapter un petit peu à eux, mais on savait qu'ils allaient jouer de la même manière. Donc voilà. Un petit mot sur Mouz aussi, c'est une équipe qui joue pas mal au skill. Comment vous avez fait du coup pour appréhender ce match et comment vous trouvez cette équipe là? Moi c'est une équipe encore jeune qui est bourrée de talent mais avec un peu moins d'expérience et que c'est deux joueurs qui sont assez individualistes et qui ont encore voilà, toute cette phase de team play et de jeu à créer ensemble. Le résultat était très bon dernièrement sur internet, même là ils ont envoyé des belles boulettes quoi, sur le serveur. Et je pense que là, ce qui a vraiment joué en notre faveur, bon, déjà les maps, dans le sens où ils ont un map pool qui est très complet, ils essaient de jouer toutes les maps. Mais ils sont assez moyens sur toutes celles qu'ils jouent. Donc il y a ce côté là où nous on a des maps plus fortes et on est plus explosifs sur certaines maps et on en a des plus faibles. Et il y a aussi le côté où ils ont fini premier de leur pool et qu'il y a toujours ce truc, je sais pas encore trop comment l'expliquer, que quand les équipes ont un jour de repos, en général elles reviennent dans le tournoi et elles sont pas au top quoi. Parce que les autres équipes ont eu le temps de. Enfin, par exemple, nous on a joué 2 BO3 avant, on a pu régler quelques erreurs et toujours rester dans le bain du tournoi jour après jour. Donc voilà, il y a eu plusieurs choses. Et après, c'était réussir les shutdowns individuellement. Quoi. Ouais, être plus fort qu'eux, tout simplement, individuellement leur rentrer dans l'art et pas leur laisser le temps de réagir. Parlons maintenant de Hellraisers. J'ai l'impression que c'est une équipe que vous dominez assez souvent. Vous leur avez mis 16-2 au Star Ladder, il me semble, justement. Comment vous expliquez cette domination contre cette équipe? Ok, passe les questions. Alors, pour commencer, c'est une équipe qu'on a énormément en prac et contre lesquelles on avait énormément de succès en prac. Donc je pense que ils l'ont déjà dit sur Twitter, sur plusieurs réseaux sociaux, qu'ils nous considéraient extrêmement forts, si ce n'est la meilleure équipe du monde d'après les résultats en prac. Et donc c'est une équipe qui est très, très solide, stable et je trouve qu'ils ont un niveau assez constant. Donc en gros, ils sont toujours bons, mais toujours au même niveau. Ils vont pas, c'est un peu dur pour eux d'avoir des pics de niveau, je trouve. Et donc, alors ils ont été très solides quand ils ont joué Misfits par exemple. Et voilà, c'est une équipe qui est bonne, simplement qui est bonne, et qu'on a réussi à élever notre niveau de jeu. Et encore une fois, je pense que on a ce petit avantage un peu psychologique, j'ai l'impression, contre des joueurs qui voilà, à part Angel, Bondi, qui ont de l'expérience, les autres sont encore un peu plus jeunes et ont un peu moins d'XP.
Et donc on arrive encore une fois un peu plus adapté. Ils ont un jeu qui est pas mal centré sur Angel, qui est excellent sur cette entry frag et pour mener ses trios. Et donc voilà, encore une fois, c'est le genre d'équipe que il faut leur rentrer dedans, il faut les casser, et c'est comme ça que tu arriveras à les battre facilement, on va dire. C'est ce style de jeu là, quoi. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Et voilà, en terreau par exemple, Kebel, on n'a pas été assez incisif et on s'est fait manger un peu de partout. Donc c'est ce genre d'équipe là, quoi. Sinon, du coup, donc on est à Tours. Il y a un public français, on a vu l'ambiance super sympa avec le public qui était vraiment pour vous. Comment est-ce que quand vous êtes en match comme ça avec les casques anti-bruit, vous entendez quand même? Parce qu'on a vu qu'il y a quelques années, il y avait justement les caisses anti-son, là il n'y en avait pas. Comment vous entendez le public? Est-ce que ça vous booste? Un petit mot par rapport à ça, du coup? Non, on l'entend pas spécialement parce qu'aujourd'hui déjà comparé à avant, on nous force à jouer avec des intra-auriculaires, donc les écouteurs qui rentrent un peu dans l'oreille, ouais. Donc déjà ça isole. Derrière on a des casques hélicoptères et maintenant, c'est assez récent je crois, ils ont rajouté ce qu'on appelle du white noise dans les casques hélicoptères, qui fait en fait c'est un bruit ambiant, c'est comme un pshhh que t'entends constamment, tout le temps. Donc non, franchement on n'entend rien. Le seul truc qu'on entend, c'est quand il y a 300 personnes qui gueulent en même temps la même chose. Là on entend un petit bruit, quoi. Donc quand ils gueulent tous ensemble, ouais là on entend, mais c'est tout. Ça reste vraiment un bruit de fond, je dirais. Après il y a pas d'avantage ou d'inconvénient. C'est un peu entre les deux. Là par exemple, le seul truc que des fois on entendait, c'est que genre quand en clutch ou quand des fois il y avait des mecs qui étaient prêts ou quoi que ce soit. Genre ils faisaient oh, mais comme toute la salle faisait ça, ouais on l'entendait. Mais après ça a double tranchant, parce que d'un autre côté oui, peut-être que c'est pour nous, si ça se trouve c'est pour notre teammate, on sait pas. Et d'un autre côté des fois il y a des timings où tu t'es caché dans une smoke, où t'arrives dans le dos, etc. et tout, et le mec il est parano, il se retourne pour aucune raison, il tue, quoi. Donc c'est le jeu, c'est ce qu'on appelle un public, et il y a des pour, il y a des contre, mais dans tous les cas ils ont été au top. Et on les remercie encore d'avoir mis le feu comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu en France et franchement, on n'est vraiment pas déçus, quoi. Nathan, un petit mot justement par rapport au public. C'était de la bombe. Ok, merci. Avant de vous laisser le mot de la fin qu'on a l'habitude de faire pour Vacarme, du coup, c'est la fin de la DreamHack. Je tiens à remercier du coup les organisateurs pour cette LAN. Je tiens aussi à remercier ceux qui ont rendu ça possible, le coverage, c'est-à-dire Chig, qui est juste là-bas derrière la caméra, Mickey qui la tient, Stones qui a dû partir aussi de Vacarme. Remercier l'ensemble du staff aussi pour leur aide qu'ils nous ont fourni. RPZ Trax, il voulait sa petite dédicace avec Shox, du coup elle est faite. Maintenant, comme vous le savez, chez Vacarme, on laisse nos invités conclure. Du coup, je vous laisse le mot de la fin, la caméra est juste ici. Merci. C'est ta meilleure phrase de fin, non? Parce que j'ai vu l'interview de Happy, t'as dit exactement pareil. Alors, chez Vacarme, on a l'habitude de vous laisser le traditionnel mot de la fin. Putain, il m'a ressenti la même, quoi. Merci à tous les gens qui étaient présents sur place. Franchement, vous avez été top de A à Z. On regrette vraiment pas d'être venu en France. On a kiffé de ouf. Vous avez été amazing. Et vivement le prochain événement en France, clairement. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci de nous avoir soutenus aussi, toutes les personnes qui n'ont pas pu se déplacer ou qui nous ont suivis sur Internet, que ce soit en France ou ceux qui ne sont pas domiciliés en France, mais qui sont français ou qui même pas et qui nous suivent ou quoi que ce soit. Enfin, merci à tout votre support, etc. Merci à G2, évidemment. Merci à Vacarme pour l'interview. Merci à mon petit frérot Hacker d'avoir été là tout le week-end. Moi, ça m'a fait plaisir de le voir. Il est loin comme ça, mais il me dit bonjour à la caméra. Merci à ma femme de m'avoir accompagné aussi ce week-end, ça m'a fait plaisir. Merci à toute ma famille qui est complètement à fond derrière moi. Voilà, j'ai reçu des photos de mon frère en t-shirt G2, de ma mère et de mon père t-shirt G2, casquette G2, etc. et tout. Enfin voilà, ils sont à donf, même de mon neveu, enfin bref, de tout le monde. Merci à tous. Merci à mes teammates d'avoir été forts, parce que j'ai pas fait forcément une grosse LAN individuellement et franchement. Ils m'ont un peu carré, faut avouer, hein, ça m'a fait kiffer. Je pense que c'est bon là, c'est fini. Ouais, je pense que là c'était un bon gros. Voilà, coup. Allez, tiens. Ah, mais moi, c'est. Et merci aux Vacarmiens. Tu veux, je dise quoi, moi, après toi? Ouais, enfin, je sais pas quoi. La même chose que lui. Ça serait beaucoup de se répéter. Ciao, à la prochaine, et à la prochaine en France.